la soirée avait été plutôt minable. Et en plus qu'on m'avait volé mon tout nouveau portable, me voilà seul en pleine nuit, dans la rue et sous dans la pluie. Évidemment pas un taxi, que des ennuis. Après une attente sans fin, enfin et en 21, je monte et dis au chauffeur, j'habite au 21 de la rue Geoffroy Langevin. Choisissez vous-même le chemin, et puis on cause un peu de tout, surtout de rien. Je lui parle de ma soirée, je parle du larcin. Qu'avais-je dit là? Il se retourne, me jette un œil porcin. Il balance ça, c'est la racaille. Il vaudrait mieux qu'elle s'en aille. Jésus, si tu voles un bout de pain, il coupe la main. Là, j'avoue que les bras me tombent d'effroi, je reste quoi? Mais le chauffeur du taxi continue dans le très gras. Il m'annonce, moi je suis pas raciste. La nuit, je prends des touristes. Il y en a, je les vois pas dans le noir. Là, il se marre. J'aurais dû lui dire d'aller se faire taxidermer. Le taxi, j'aurais dû le sommer de se taire, de la fermer. Le taxi, mais il était gros comme une vache. Comme je suis un petit peu lâche, j'ai rien dit, je suis resté neutre. Je suis un peu neutre. Dans ma tête, je lui souhaitais les pires accidents. Le taxi peut se faire mal accélérant par son volant. Le taxi, mais c'était un vrai éléphant. J'ai une femme et des enfants. Alors j'ai regardé par terre, genre serpillère. Oh mon frère, c'est la lâcheté ordinaire. Lâcheté ordinaire. Sonore, y'avait chez la sur Radio Nostalgie. À force de me crisper, j'avais chopé une lombalgie. On était à l'onf sur le périph', j'étais prisonnier de ses griffes. Ça puait le Ricard, un vrai traquenard. Soudain j'entendis un glacial et terrible hurlement. C'était le chien à l'avant, mélange pitbull, berger allemand. Et en tapotant sur sa tête, il me dit, moi j'aime bien les bêtes. Elles sont meilleures que les humains. Putain, j'aurais dû lui dire d'aller se faire taxidermer. Le chien, j'aurais dû le sommer de se taire, de la fermer. Le chien, mais il avait les yeux de barge. Je n'en menais pas large, je n'ai pas bronché dans mon costard. Je suis un couard. Dans ma tête, je lui souhaitais les pires accidents. Le chien bouffait de la mort, à d'agoniser lentement. Le chien, mais il me montrait ses babines. Là, j'avoue, je me débine. Je regarde ailleurs, je me lève la tête, je suis qu'une lavette. Oh mon frère, c'est la lâcheté ordinaire. La lâcheté ordinaire. Les métèques et les juifs, les pélés, les grecs, des artistes et les roast beef. Là il a fallu que je me tire, je suis descendu de sa caisse. Je me suis mis à courir à toute vitesse vers une bagnole de flic qui pour une fois tombait à pic. Je leur ai dit, ce type est fait, c'est un danger public. Je suis pas client de la délation, parfois y a des exceptions. Il a soufflé dans le ballon, direct fourgon. J'aurais dû lui dire d'aller se faire taxidermer. Le taxi, dès le départ, j'aurais dû lui dire d'arrêter. Le taxi, mais je le jure devant mes pères, cette fois c'est bien la dernière. Et lâche tes ordinaires, enfin j'espère. Oh mon frère, la toute dernière, lâche tes ordinaires.